traditionnelle, folklorique et d'essence populaire avec très peu de contenu d'accord. C'est très facile à appréhender et ça permet déjà de s'exprimer aisément. Celui-ci est de ma construction, donc j'ai une architecture de caisse particulière. J'ai cherché à pousser l'ergonomie de manière à ce qu'il soit plus pratique à jouer et plus intéressant aussi. J'en cherche un autre pour montrer, pour avoir un point de comparaison. Voici son cousin, d'une marque allemande. Il a les mêmes dimensions, voilà. Et j'ai cherché moi, à travailler de l'arrondi pour que ce soit caressant à la main, mais surtout pour que l'instrument sorte de l'angle à 90 degrés. J'ai donc à l'intérieur une ergonomie particulière, beaucoup d'inclinaisons, beaucoup de virages à l'intérieur pour casser ce carré et ça donne un son particulier. Celui-ci est entièrement construit à partir de l'atelier. Je ne construis pas les soufflets, ça vient d'Italie. Je ne construis pas les boutons, je les achète en Italie. La grille perforée, ça vient d'un artisan qui est dans le 94. Et voilà, ce sont des pièces que je fais construire quand je ne les construis pas. Mais tout ce qui est la partie bois, je construis par mes soins, ainsi que tout l'assemblage. Donc une ligne d'instruments particulière, qui a aussi un timbre très particulier et qui est particulièrement puissant puisqu'il est particulièrement particulier. Petit et grande gueule. Ouais, grande gueule quand même. Voilà, très affirmé. J'en suis particulièrement fier. Je suis un papa comblé.